Je suis entré le foot à partir de à 7 ans à Marseille. Mmh. Ensuite, il y a 4 ans, j'ai été contacté par un Chamal Arte, qui est un club de foot en Ligue 2. Donc j'ai fait 2 ans là-bas en formation. Et ensuite, dans ma poule, j'avais Toulouse, chez les jeunes. Donc, comme je faisais de bons matchs avec eux, j'ai été contacté par Toulouse et j'ai signé 2 ans en leur faveur. Et avant d'avoir eu mon premier match avec le Pro l'année dernière, où j'ai marqué en Coupe de la Ligue contre Nice. J'ai signé un contrat de 3 ans en faveur de l'Espérance Sportive de Tunis. J'ai signé ici. J'en ai discuté avec le projet, avec le coach. Et les dirigeants m'a plu. J'ai mis le contact avec le coach. D'accord. Donc, sachant que j'ai pas longtemps hésité avant de signer à l'Espérance Sportive de Tunis parce que c'est un très grand club africain, voire le meilleur, pour palmarès quand même. Et donc, moi je connaissais déjà l'Espérance de Tunis en Europe. Et donc, moi ça m'a tout de suite plu et j'ai voulu. Ma motivation ? Gagner des titres. Ouais. Je sais qu'en venant ici, l'Espérance Sportive de Tunis joue tous les tableaux. Donc je savais que j'avais de fortes chances de gagner des titres. J'ai envie d'écrire une partie de l'histoire du club avec mes coéquipiers, mes futurs coéquipiers. J'ai eu des contacts avec j'ai beaucoup parlé avec Yacine. Yacine. Voilà. D'accord. Donc qui m'a un peu expliqué le club, comment ça fonctionnait. L'ambiance et tout. Voilà, l'ambiance. Ça vous plaît, ça vous intéresse. Oui, franchement. Je connais pas encore tous mes coéquipiers, mais je suis quelqu'un de très sociable, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour m'intégrer au sein de cette équipe. À pire, mais j'ai été quand même impressionné. Mm-hmm. Donc, sachant que l'Espérance de Tunis est le meilleur club africain, je me suis dit quand même que les installations ne seront pas si critiques que ça. Donc non, franchement, j'ai été impressionné. Donc, il m'a donné quelques conseils, il m'a dit que ici j'allais être bien et que si je signais ici, j'allais pas regretter quoi. On m'a dit que voilà, si je signais ici, on attend beaucoup de moi quand même. Ouais. Que c'était à moi de faire en sorte qu'ils peuvent compter sur moi et que je, à moi de leur rendre la confiance qu'ils m'ont donné en me faisant signer ici quoi. Je vais tout faire pour qu'ils soient pas déçus. Et ce sera à moi de m'imposer, de montrer de quoi je suis capable, mais c'est vrai que je pars du principe que d'avoir de la concurrence dans l'équipe c'est important. Ça fait progresser les joueurs, ça donne envie de se battre sur le terrain, de montrer qu'on veut tous notre place et ça peut faire que avancer l'équipe. Je suis rentré en contact avec un ou deux clubs de Ligue 2. D'accord. Ligue 2 française. Ligue 2 française. C'est vrai. Voilà. Pas Ligue 2 tunisienne. Non, pas Ligue 2 tunisienne. Ligue 2 française, mais mon choix était plutôt pour l'Espérance française. Et en Tunisie. Il y a des clubs qui vous ont contacté en Tunisie à l'Espérance française. Pas spécialement. C'est lui. Bah, moi j'aimerais porter le 13, après on m'a dit que malheureusement ce numéro était pris. Après je sais pas, je verrai en fonction des numéros qui restent. D'accord. Et ma première séance d'entraînement je pense sera d'ici 10 jours, j'espère. Parce que ça fait 3 semaines que j'ai arrêté. D'accord. Donc avec le groupe je pense que ce sera d'ici 10 jours, le temps que je m'en mette à courir tout doucement pour être physiquement prêt. Bah, j'aimerais. Je leur promets de tout faire pour qu'ils soient comblés, de les faire remplir de joie maximum, de faire remplir les stades chaque week-end dès qu'on jouera. Et j'espère marquer un maximum de buts pour pouvoir aller célébrer avec eux. Dans la gêne, voilà.